Regarde. Ah, encore un. Oh non, mais vous êtes trop fort. Comme d'habitude, c'est pas mieux. Je prends le canon. Attends. Vous pouvez rentrer. Vous accrochez vos manteaux en silence, s'il vous plaît. Mettez-vous en rang et rentrez en classe. En silence. Demain, c'est jeudi. Tu peux venir à la maison si tu veux. Mes parents vont faire le marché. Ah ouais, d'accord. Mon père me prête son vélo. Si tu pouvais en avoir un, on irait au lac. Ce serait chouette. Hein. Oui, mais mon père n'aime pas que je sorte trop, surtout loin à cause des Allemands. Le soir, il veut que je rentre rapidement. Oui, mais tu sais, là-bas, au lac, les Allemands, ils aiment pas. Zeit für ein Bier. In 10 Minuten rufen Sie an. Stand 73, ich höre. Der Wagen kommt morgen 8 an. Rote Güter überprüfen. Ja, die Kisten werden morgen um 8 fertig sein. Sei pünktlich. Ja, morgen um 8. Ende der Durchsage. Ende der Durchsage. Huck, komm mal sehen. Ich kann die Karte nicht mehr finden. Bestimmt gestohlen. Ja. Vermutlich hat sie jemand durch das Fenster weggenommen. Vorbeigehen habe ich nicht gesehen. Kommt mal gucken. Thank you.
Mann ist draußen. Der Ozonsperre ist bald da. Es wird uns Probleme bereiten. Ja. Ja. Große Probleme. Ja, große Probleme. Ja. Qu'est-ce que je t'ai dit? De rentrer immédiatement après l'école. Alors arrête de traîner dans les rues le soir. Surtout à l'approche du couvre-feu. Avec tous ces Allemands dehors, c'est dangereux. Attends, qu'est-ce que c'est? Mais t'as pris ça où? Non, mais tu sais ce que c'est, ça? Ça, c'est une carte d'état-major! Ils doivent la chercher partout, et peut-être qu'ils t'ont vu! Et s'ils la retrouvent chez nous, on sera emprisonnés, voire même fusillés. Bah quoi? Tu me fais bien transporter des messages dans mon béret sans me le dire. Moi aussi, je peux participer.